C'est comme un rond-point, un parc séparé. On va se mettre un peu sur la... C'est ma femme qui l'a dans son sac, j'ai plus de coffre. Super. Ah, super. Ça, c'est bien. Merci. Ils te veulent que du bien, Jérôme. C'est grâce à toi, on est sorti de la merde. Préparez vos appareils pour gagner du temps. On est bien accueillis. C'est plaisir. Enfin, j'ai un pinot. Non, vous suivez. Allez, je me disais aussi, j'avais l'impression d'être traqué. Vous l'avez fait tomber, je suis à mon des escaliers. Tant que c'est pas un billet de 500, c'est pas à moi. Ouais. C'est la première fois que j'arrive à m'endormir en moto. J'ai fait un écart. Il est là-bas au fond avec Ramos. Première fois de ma vie. Il m'a pas vu. Dégage, parce que j'étais à droite. C'est là où il manque l'œil. Ça va, comme tout le monde, t'es content, ça parlait. Ramos, Triche, je m'en fous. Même pas si je suis passé à côté. J'ai fait une photo avec Jérôme, c'était le copain. Là, on va aller voir. C'est mon copain. Salut, Flo. Et l'eau, je l'ai reperdu. Qu'est-ce que tu te casses aujourd'hui? Hé, hey, Greg! T'as été reconnu automatiquement? Je te jure, regarde! Voulez-vous identifier Greg? Comment il me reconnaît? Je sais pas. Je pense pas. Non. Yeah, man. C'est dingue hein, ce truc. Là, c'est quand à un moment t'enregistres quoi. Ou si vous êtes amis. Yo. Je fais une mise au point. J'ai pas trop de photos moi. Bah voir ouais, Jérôme là. Ouais. T'en fous. Il est là quoi, c'est bien. Ouais. Putain, c'est... Ouais ouais c'est bon ouais. Pareil, alors là, il y en a pour 2 heures là, avant qu'il bouge là. Il y en a pour 2 heures avant que ça bouge. Sinon, un Coca-Cola, personne n'a ça. Je vous jure, même pas j'ai pensé, j'ai un sac à dos, j'ai des batteries. Ah, pas tout. Ils étaient avec nous. Hein. Pas tout, non? Non, pas tout. Céline. Alors, Céline?
t'as kiffé? Alors, madame Céline, putain, comment avez-vous trouvé le voyage? Trop de la bombe. Trop bien. De la bombe. Ah, de la bombe. Hein. Alors, et sinon? Ta gueule. Ta gueule. Hein? On se fait la bise. Salut, PH. Alors, Puget. T'es un Puget, quoi. Ouais, toujours. Ah non, c'est pas Puget. Ah, si. Ah, oui. Ah ouais? Ah, pardon. Fais voir, toi. Ben, ils ont trouvé son casque et tout, ça va bien. Non, il te reconnaît pas, toi. Ah. Il est rentré avec Greg. Voulez-vous identifier Greg? Il est cramé, Greg. Je sais pas pourquoi. Il y a que toi qui reconnais, c'est impressionnant, ouais. J'ai appris son nom. Mais lui, il reconnaît pas, lui. Ouais, mais lui, il est moche, moi, je suis beau. Fais voir, toi. Non? De quoi? Même pas, toi, il te reconnaît. Si! Voulez-vous identifier Jonis? Oui, parce que je suis là. J'ai le téléphone. Mais alors, lui, il est pas à côté de moi. J'ai pas de téléphone. Ah, il reconnaît? Comment il fait pour reconnaître? Il n'a aucune idée. Identifié. Là. C'est dingue ça. Là. Identifié. Comme quoi ils sont bien là dans la vidéo. Tu vois toi? On me reconnaît? Il n'a pas de photo. Non. T'as pas de téléphone là? Il n'a pas de photo. Si j'ai le téléphone mais j'ai pas de photo là. Ah t'as pas de photo. C'est les photos je pense. Regarde, Facebook, Michel Dudor vous a identifié. Sur Facebook. Je suis au courant de ce qu'on fait un live, ouais. Elle est où Céline? Moi, je n'avais pas... J'ai même pas vu sur la route. Hey, je me suis endormi en moto. Les gars, vous y croyez ça? La première fois de ma vie, je te jure. Oh, j'ai piqué du nez, la bécane est partie. Je croyais pas. Vous avez roulé, 50 km/h du Canet jusque là. Je crois qu'on est parti hier matin. On l'a senti. Hey. J'arrête pas de le dire. Je croyais qu'on était parti hier matin. Je me suis endormi en bécane. Je te jure, je me suis endormi. J'ai piqué du nez. 50 km/h. J'ai pété un câble. Je te jure, la bécane, elle a fait un écart comme ça. Personne n'a un coca zéro. Je sais pas, le coca normal, zéro moi une fois. J'ai retourné là-bas, il va plus avoir de bécane, ils m'ont fait mettre là-bas au fond. Bon bah voilà, on est à Toulon, donc on a fini le Canet. On a fait une route de je sais pas, putain c'était long, ça me paraissait une éternité. Je me suis même endormi au guidon, pas au volant, au guidon. Je vous assure que c'est la vérité, je me suis endormi au guidon. À un moment j'ai piqué du nez, la bécane elle a fait un écart de 1m50 sur la route, je m'en allais vers le barrière de sécurité. Et c'est la réalité, on roulait tellement lentement, on a bouché toute l'autoroute du Canet jusque là quoi. C'était le pied. Voilà, donc il y a du monde à Toulon. Salut Pat. Tu dois être dans le coin normalement, non? Il y a du monde, c'est sympa. Il manque un petit coca zéro, c'est tout quoi. Bien frais. Miaou, miaou. Miaou. Voilà, donc là-bas au fond. Voilà, il y a du monde un peu partout. Je sais pas combien qu'on peut être, mais ça fait un beau paquet. Sans compter les gens qu'on va récupérer sur la route, ça va de soi. Ah, c'était long, dis donc. Voilà, donc on est arrivé à Toulon. Toulon, c'est dans le Var, hein, pour ceux qui connaissent pas. Je sais que ça m'a épaté aussi que certains me disent c'est où Toulon? Ils sont les Schmitt. Les Schmitt, ils arrivent qu'à la fin quand on va démarrer. Généralement, ils arrivent à la fin généralement quand on part d'ici.
là, tout cet attroupement, c'est pour Jérôme Ramos. Et peut-être Présilia, je ne l'ai pas vu là. Ouais, là, il y a Jérôme. Il y a Jérôme. Il y a Ramos et il y a et Céline. Bonjour, voilà. Jérôme. Céline. Il y a Jérôme. Olivoli et. Priscilla, elle est là aussi. Priscilla aussi, elle est là. Que tu m'attends. Et Olivier, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Très compliqué vraiment. Il faut pousser pour y aller, sinon je vais faire. Jérôme, j'ai dit et regarde à Paris. Et c'est un mec qui fait aussi les. C'est comme. T'es en direct hein? Ouais, je suis en direct. Vas-y, tu peux parler. Parce qu'il voulait me mettre dans le cul. Hé! Non, je suis pas trop beau. Vous voulez pas? Oui, oui, là. Si vous posez des questions, vous répondez. Aucun problème. Toutes les questions que vous voulez, mais je vous réponds. Vous me posez une question. D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a participé de cette journée? Pourquoi vous On a trois filles quand même avec nous. Psylia, Jérôme Rodriguez et Mousse. C'est quand même trois personnes qui ont été médiatisées. Et qu'ils ont la possibilité de revendiquer nos revendications, ça le fait pas ça. Hein. Non. Ça le fait. Alors porter nos revendications. De porter nos revendications, ouais. Aujourd'hui, l'essence, ce qui a quand même déclenché l'histoire, est revenu au plus haut. Ouais. Tout ça pour ça. C'est pas tout ça pour ça. Le problème, c'est que les gilets jaunes sont descendus dans la rue pour hausse de carburant. Il y a une deuxième hausse de carburant prévue en janvier. Ils l'ont annulée. Ils ont annulé la première hausse. Le problème, c'est qu'il y a une certaine rage et au fur et à mesure, les citoyens, les Français, les gilets jaunes ont ouvert les yeux sur certains problèmes comme la privatisation de l'aéroport, un peu tout quoi. Sur tout ce qui était. Ne filme pas, dame. Tout ce qui était. Ne filme pas, là. On a tout filmé avec ça, c'est métal. Ah, mais voilà. Il y a eu plusieurs problèmes qui ont ouvert les yeux aux citoyens. Aujourd'hui, quelle est la priorité? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Mais c'est même pas un cri aujourd'hui, on demande d'être entendu sur leurs revendications. Le problème, c'est que c'est impossible à faire. La seule chose qu'on demande, c'est un référendum. Avec un référendum, c'est pas les gens qui vont créer, c'est les citoyens, c'est 67 millions, on est d'accord. On ne demande pas plus que ça, on demande que qu'on fasse un référendum. Ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent continuer la politique de Macron, ou est-ce qu'ils veulent simplement accepter les revendications gilets jaunes? Je vous dis ça comme ça, je pourrais dire plein de choses, on va pas sortir. Depuis le début, on dit qu'ils ont eu revocation. Bien sûr qu'on a toujours les mêmes revocations. Gilets jaunes meurent dans la rue. Mais on a toujours les mêmes revocations depuis le début. En l'occurrence, gasoil, ils m'ont fait chier. Ça nous coûte cher. Voilà. Parfait. Si vous étiez journaliste, quelle question vous auriez? Un journaliste? Non, vous. Si vous étiez journaliste, quelle question vous auriez à Gilles? Si j'étais journaliste, quelle question? Vous les avez posées? Moi, je sais pas. Je crois que. Non, vous avez été posé. Le problème, c'est que. Aujourd'hui. Dites-moi, vous êtes quoi, France Info? France Info, France Terre. Dites-moi une question, moi je vais la poser. Est-ce que les gilets jaunes, vous savez comment sont répartis les 10 milliards que Macron a donné style en décembre? Parce qu'ils les mettent systématiquement sur la table, systématiquement. Vous avez eu 10 milliards. Ouais. C'est bien joué aujourd'hui. C'est... Mais est-ce qu'ils savent, vous? Qu'elle me dit. Il est simple. Je vais citer un vos confrères, FR3. D'accord? Il est simple. Aujourd'hui, vous mettez 10 milliards FR3 et vous avez un documentaire de septembre qui vous explique exactement la répression. C'est du manque à gagner. C'est du manque à gagner. Le gouvernement n'a jamais sorti 10 milliards. Dans ces 10 milliards, il y a 5 milliards d'IS. D'accord? Il y a le manque à gagner de la CG et la prime d'activité. Excusez-moi. Mais je vous prie, posez la question si vous voulez. Merci, madame. C'est maintenant. Et en plus, il y avait du monde en direct. Hein?
Oh. Allez, à nous.
ta gueule, je veux rien voir. Ah, et voilà la star, Thierry. Voilà, c'est la star. C'est bon, là. Pourquoi on peut être dedans? Ouais, ouais. Un petit paquet. D'antenne? Non, pas des paquets. 800, quelque chose comme ça, pas un des 1000, c'est sûr. Et ça va de l'étriper, c'est pas si. On a un petit coulon. Ça se bordait l'hôtel. T'as vu ça? Hôtel. Voilà, donc on est un petit pack sur Toulon. Vous êtes d'accord, venez vous joindre. Ça ne fera que quelques uns perdre en plus. Donc voilà, on a Jérôme, c'est d'hier à Mousse avec nous. On a dit qu'il va passer une fois. Il répond à toutes questions et aucun problème. Sur la rédaction à l'heure. Voilà, donc moi je reste pour l'instant parce que j'ai des choses à faire.